On va vraiment le faire? Ça donne la chair de poule. Où est passé ton sens de l'aventure? T'as raison, allons-y. C'est très palpitant. Regarde tous ces trucs qui vivaient ici. Aucune idée, ça fait des années qu'elle est abandonnée. Attends, qu'est-ce que c'est? J'en reviens pas. Un hamster? Il émet une lueur bleue. Ah! Hé, tu peux arrêter? Regarde ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah! Cette boîte est vivante! C'est un monstre? Je sais pas, mais sois prudente, c'est parti! Oh, quel adorable chiot! Dis, on peut le garder? Je vais t'appeler Daisy. C'est comme une animalerie ici. Hé, petit gars, ça va? Viens ici, je te ferai pas de mal. On doit te trouver un nom. Tu as une tête de noisette. Tu as dû être effrayée et seule. Ah, qu'est-ce qui se passe? Waouh, où sommes-nous? Je sais pas, mais on est là tous ensemble. T'as entendu ça? Nous sommes une famille. Ça va être génial, hein? Où est passé Noisette? Non, il n'est pas là. C'est pas assez mignon. Aucun signe de lui. Il n'est pas sous la chaise. Tu aurais vu Noisette? Attends un peu. Arrête! Quoi? Ouf, c'était moins une. Je pensais t'avoir perdu. Je dois te mettre en sécurité. Waouh! Regarde cet aquarium. C'est si joli. Ça me donne une idée. Me demande pas comment j'ai fait. Mais c'est pas mal. Tu peux entrer, Noisette. Il devrait être sécurisé. Désolée pour l'odeur de poisson. C'est pas très convivial pour un hamster. Je dois le rendre plus confortable. Je sais quoi faire. Il a besoin d'une couche de peinture. Je peindrai des vagues sur le verre. Ça te plaît, Noisette? Ne bouge pas, Daisy. Tu peux faire une petite thérapie shopping. Tu vas adorer ce site. On n'a jamais assez de chaussures. N'oublie pas de ménager ma carte de crédit. Oh non, ça ne te remonte pas le moral. Je sais, je vais te trouver un endroit où dormir. Ça va être chaud. Waouh, ce serait parfait pour un barbecue. Hey Daisy, regarde ça. C'est comme chez toi. T'en dis quoi? J'espère que ça te plaît. J'en étais sûre. T'en fais pas, Noisette, j'ai presque fini. Faut que ce soit parfait. Tu le mérites. Ok, j'ai terminé. Oh, wow, Sunny! Bon travail! Merci, j'adore ce que t'as fait avec l'aquarium. Tout va bien là-dedans, Noisette. Tu as l'air de t'ennuyer. Il te faut un peu de divertissement. Tu veux regarder un film? Non, tu es plutôt un rat de bibliothèque. D'accord. Et si... Je sais quoi faire. J'ai juste besoin d'invoquer quelque chose. Waouh, ça a marché! Un petit toboggan aquatique pour hamster. Ok, je sais qu'il n'y a pas d'eau. Vas-y, essaye. Waouh, tu es si courageux. Continue, tu vas t'amuser comme un fou. Je sais que c'est haut, mais crois-moi, tu vas adorer. C'est ça, tu ne veux pas descendre le toboggan? T'en fais pas, tu peux faire bien d'autres choses. Waouh, tu parles d'un casse-cou. Fais attention, Noisette, tu es si courageux. Hé, Sunny. Oh, ça a l'air génial. Mais Daisy, il ne rentrerait pas dedans. Je pourrais peut-être lui faire quelque chose. Réfléchis, il doit y avoir un truc à utiliser. Y a quoi là-dedans? Oh, ça a l'air intéressant. Mais c'est pas trop son style. Il va avoir besoin d'un relooking. Mettons-nous au travail. Tout d'abord, j'ai besoin d'une bombe. J'utilise le rouge, bien sûr. Ouh, ça a déjà l'air mieux. Je suis une artiste avec un aérosol. Et maintenant, les détails. Waouh, ça pète le feu! Quelle transformation! Il est assorti à ta maison. Ok, saute. Faisons un essai. Accroche-toi bien. C'est parti. Quelle journée. J'ai besoin d'une sieste. Hé, arrête. Ça chatouille. J'essaye de dormir. Oh, j'y arriverai pas. C'est quoi ton problème? Arrête. Va te coucher. Tu peux rêver de fromage ou de ce que mangent les hamsters. Et voilà. Oh oh, c'est pas bon. Sauve ta peau. Faut pas t'approcher de ses dents.
Je plaisante. C'est un lit. Il est si doux et confortable. Tu seras bien installée là-dedans et peut-être que je pourrai dormir un peu. J'espère que tu ne ronfles pas, Noisette. Hé, vous pourriez faire moins de bruit. Il y en a qui essayent de dormir. Vous n'avez jamais eu l'impression d'être observée? Oh, c'est toi, Daisy. Tu n'arrives pas à dormir, hein? Je connais ça. Tu dois rejoindre ton lit. Je vais t'aider. Voilà. Maintenant, ferme les yeux. Oh, c'est mon pull préféré. Il est couvert de poils de chien. Je le rangerai plus tard. Je suis trop fatiguée pour l'instant. J'ai besoin d'un sommeil réparateur. Bonne nuit, Daisy. Non, Lily, fais pas ça. Pose l'extincteur. Attends, c'est pas un extincteur. C'est une licorne. Qu'est-ce que c'était? Daisy, qu'est-ce que tu fais? Tu as encore pris mon pull? Oh, tu dois vraiment l'aimer. C'est pas grave, tu peux l'avoir. Mais je dois d'abord faire quelques modifications. Je vais mettre le pull à l'envers. Ensuite, je prendrai une aiguille et du fil. Il est temps d'exercer mes talents de couturière. Je vais coudre le haut du pull. Je vais passer d'une manche à l'autre, comme ça. Une fois que c'est fait, je rembourre. Ça le rendra très doux. Il faut bien remplir. Quelques poignées supplémentaires. Je ferai ensuite de même avec les manches. Daisy va adorer. Une fois rempli, je couds les poignets. Ensuite, je plie les manches autour du pull. Ça fera un excellent lit pour chien. Ça donne l'impression de dormir sur un nuage. Monte, Daisy! Je suis un peu jalouse. J'aimerais que mon lit soit aussi confortable. Ok, dormons un peu. Tout ce travail m'a épuisée. Ah, oh, fais de beaux rêves. J'adore les chips. Hé, ne regarde pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu en veux? C'est pour les humains. Oh, ne me fais pas les yeux doux. C'est bon, je vais te chercher à manger. Mais les chips sont à moi. Tout d'abord, il te faut une gamelle. Et je sais exactement à quoi elle doit ressembler. Recule, je vais mettre le feu. Attends, ça vient. Waouh, regarde-moi ça. Ce n'est pas une gamelle ordinaire. C'est un volcan. Et devine ce que j'ai? Je vais le remplir. Tu dois avoir faim. C'est une éruption de nourriture pour chiens. Youpi! Regarde! Il y en a tellement! T'en as l'eau à la bouche! Qu'est-ce que tu attends? Vas-y! N'oublie pas, ne finis pas tout en une bouchée! Oh, bon chien! Ça a l'air bien! Je devrais peut-être donner à manger à Noisette! Que mangent les hamsters? Devrais-je commander une pizza? Non, j'ai une meilleure idée, je vais te faire un festin. Il nous faut un endroit pour le servir et ces vagues sont parfaites. Maintenant, je peux les remplir avec ta nourriture. Le chef a préparé un plat spécial pour toi. Plaisir des papilles garanties. Bon appétit! Oh, tu aimes ma cuisine, j'en suis ravie. D'habitude, je brûle tout. Il y en a d'autres, fais-moi signe si tu veux un dessert. J'ai de délicieuses glaces. Non, tu n'aimes pas les sucreries? Vraiment, tu sais pas ce que tu rates. Mais c'est pas grave. Et n'oublie pas les bonnes manières, ne monte pas sur la table. Tu sais quoi? Vas-y, j'ai fait bien pire. Tu as un grand appétit. Tu vois ça, Sunny? La 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 la. Tu aimes ça, Daisy? Comment ça va, Lily? La vie n'a jamais été aussi belle. Waouh, c'est du bon son, Sunny. T'es en feu. Oh, c'est très gentil, mais tu n'as encore rien vu. C'est parti. Choup de doup de doup. Ouais. Continue. Ouf, toute cette danse me fait transpirer. La partie solo. C'est l'heure de la grande finale. Chalala. Il fait si chaud ici. Pourrais-tu ouvrir une fenêtre ou autre chose? On dirait un sauna. J'ai besoin d'une eau glacée. Attends, ça va, Noisette? T'en fais pas, je vais te rafraîchir. Comment tu te sens? Ça marche? Oh, je sais, je reviens tout de suite. Regarde ça, ça t'aidera à rester hydraté. C'est ta propre fontaine de la taille d'un hamster. Je vais la mettre ici. Bois, c'est ça, bon garçon. Ouf, je me sens beaucoup mieux. Et il semble que Sunny est arrêté. C'est une bonne idée. Daisy, toi aussi, tu as besoin de boire.
Ok, ne me crie pas dessus, je réfléchis. Attends, j'ai trouvé! Donne-moi une seconde. J'espère que ça va marcher. J'y suis presque. Waouh! Impressionnant! Il est assorti à ta gamelle! Tout est une question d'esthétique. Tu as tellement soif. Je suis si heureuse d'avoir pu t'aider. Je pense que c'est tout. Tu as l'air bien installée, Noisette. Ça me rend si heureuse. Tu mérites le meilleur. Je ferai n'importe quoi pour toi. Comment ça va, Daisy? Tu es suffisamment à l'aise? Mais bien sûr, regardez ce petit coin pour Toutou. On a fait du bon travail. Top là! Noisette, fais-moi un bisou! Ce petit lapin est trop mignon. Mais il pourrait être encore plus mignon. Allez! Waouh, ça a marché! C'est trop bien! Toi, tu viens avec moi! Ok, à moi! Il est temps que tu grandisses. Mais avant ça, on va ajouter quelques paillettes. Oh, tu es trop mignon! On va être meilleurs amis! C'est parti! Ici va être ta chambre. Elle est un peu vide, mais j'ai de grands projets en tête. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? C'est la chambre de mon lapin. Jamais de la vie, c'est la nôtre. Non, pas possible. Non! Je crois que tu n'as pas compris. On la prend. Ah oui, tu veux la jouer comme ça? Tout à fait. Tu restes de ton côté et je reste du mien. Et ne songe même pas à franchir la ligne. Oh, ne t'inquiète pas, on a des choses à faire. Par où on commence? Je crois que j'ai besoin d'un peu d'inspiration. Waouh, regarde ces maisons! Tu aimerais quelque chose comme ça? Comment tu trouves? Non? Ouais, je n'étais pas fan non plus. Oh, ça c'est pas mal! J'adore! Toi aussi tu vas adorer! J'ai plein d'idées! On va te construire un palace. C'est tout simplement magnifique! On va être tellement heureux ici! Regarde nos fans! Trop mignon! Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais la faire revenir sur Terre. Hey! mais ça vient d'où ça? Viens Coco, on a du pain sur la planche. Il faut s'y mettre. Il va me falloir des matériaux. Ah, c'est lourd. J'aurais peut-être dû le couper. J'ai mes outils. Attends, qu'est-ce qu'elle fait, Claire? Pas grave, je suis trop occupée. Pas besoin d'une hache. J'ai mon propre outil pour couper ma planche. C'est trop simple. Je n'ai même pas transpiré d'une goutte. Waouh, c'était marrant. Oh, ça fait du bien. Je vais planter cette vis dans la planche. Je m'en sors vraiment bien. Prends ça et ça. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il va me falloir de la couleur. Oh, bonne idée. Il a tellement de choix. Hé, Lulu, viens voir ici. Tu préfères quelle couleur? Vas-y, choisis-en une. J'ai besoin que tu m'aides. Oui, moi aussi, elle me plaît celle-là. Tu as très bon goût. On peut se mettre à la peinture. J'adore cette couleur. Ça va être super joli. Ce bleu est très apaisant. Je vais peindre avec ce rouleau. Je vais obtenir une couche bien homogène. C'est trop marrant! Waouh! Je vais mettre ces balles dans la maison. Ça ressemble parfaitement à la photo. Je vais ajouter de la paille pour le lit. Je vais ajouter des décorations. Eh ben, c'est joli! En voilà une maison stylée! C'est le feu! On a presque fini! Je veux qu'on s'y sente chez soi! C'est la pièce finale! J'espère que ça va te plaire! On y a mis tellement d'efforts! Fais comme chez toi, Lulu! Ça a l'air très confortable! Tu as l'air toute contente, ça me fait plaisir! Je vais pleurer! Hein? Regarde ça! C'est la plus belle maison du monde! Ouais, bon, moi aussi j'ai son prénom! Je le mets juste là! Hé Claire, regarde ça! S'il te plaît, regarde! Tu aimes bien, Lulu? J'ai quelque chose pour toi. Un os. Je vais le mettre juste ici. Tu as un problème, Hazel? J'ai un jouet pour Coco. Je suis sûre que ça va lui plaire. Attends. Comment tu trouves ce truc? Lulu mérite ce qu'il y a de meilleur. Essaye de faire mieux. Comme si c'était dur. J'ai ce jouet. Il y a même des friandises avec. Coco a vite faim quand elle joue. C'est censé m'impressionner. Regarde ça, c'est une cuisse de poulet géante. Pourquoi tu me montres ça? J'ai même des carottes. Les lapins adorent les carottes. Tiens, Lulu. Et ça, c'est pour Coco. Va chercher. Tu joues avec lui? Gentil chien. Tu es très intelligent.
Coco peut ramener des choses aussi. Regarde. Va chercher, Coco. C'est bien. Ramène-le-moi. Attends, tu vas où? Oh, on a encore un peu de travail. Tu as vu ça, Lulu? C'est trop drôle. Ah oui, regarde ça. Regarde. Attends, c'est de l'eau? Oh, il nous en faut. Tiens, Coco, j'espère que tu as soif. Voilà plein d'eau pour toi. Gentil lapin. Oh, ça te plaît? Regarde ce que j'ai. C'est une fontaine à eau qui se déclenche quand on marche dessus. Enfin, quand on pose sa patte dessus. Waouh, regarde ça. C'est stylé, non? Attends, j'ai une idée. Je crois qu'on devrait piéger Hazel. Ça va te plaire, Lulu? Oh non, ça ne fonctionne pas. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe, Claire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en quoi ça m'importe? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu peux m'aider? Non. S'il te plaît, fais-le pour Lulu. Oh, d'accord. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire. Désolée. Regarde de plus près. Bon, d'accord, mais je ne sais pas ce que ça va changer. Non! C'est une blague? Oh oh! Je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Non, je ne crois pas. Non! Comment tu as pu faire ça? Je n'avais pas du tout prévu ça. Ça m'a fait du bien. Ça permet de faire retomber la pression. Ah, on peut enfin se détendre. Qu'est-ce que tu en dis, Lulu? Hein? Tu veux un câlin? Ça, je sais faire. Des bisous aussi. Tu as faim, Coco? Oh, c'est quoi ça? C'est la première fois que je le vois. On va voir. Phew, quelle journée! Je suis exténuée de tout ce travail. Pas toi, Coco? Tu t'endors? Je me demande ce que c'est. Je vais voir. Je vais prendre celui-là. Waouh, des plans! C'est trop stylé, mais je ne comprends pas ce qu'il représente. Qu'est-ce que fait Claire? Je vais enquêter. Ok, je sais ce que je vais faire. Mais je vais avoir besoin de ton aide, Lulu. Prêt? Oh, c'est quoi ça? Ça a l'air intéressant. C'est rien. Attends une seconde. Tu as dépassé la ligne. Recule. Tu étais vraiment sérieuse avec cette ligne? Oui, allez, bouge. Je préfère ça. Bon, et du coup, à quoi servent ces plans? Ça ne te regarde pas. Tu sais, je me sens d'humeur généreuse. Tu n'as qu'à en prendre un. Je vais te le chercher. Il faut que j'en trouve un compliqué. Ah ah! Je vais lui donner celui-là. Waouh! Merci, Claire! Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Je suis diabolique. Hé, ne me regarde pas comme ça! Quoi? Pff, elle juge en permanence. Voyons voir! C'est quoi ça? Je ne comprends rien à rien. Peut-être que je verrai mieux en louchant. Bon, je vais essayer. Ça ne peut pas être si dur à comprendre. Bon, c'est un bon début. Je crois que je vais revisser cette vis. Rentre là-dedans. Ce serait beaucoup plus simple qu'il y ait une pointe au bout de la vis. Mais bon, ça fonctionne. Waouh, j'ai construit une espèce de boîte. Ça serait peut-être plus joli avec de la peinture. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais ajouter des coussins pour que ce soit plus confortable. Ah, je le tenais à l'envers. Je vais poser ça par terre. Et je vais prendre des mesures. Il faut être précis. Je crois que c'est bon. Je vais d'abord poser le bois par terre, de manière à obtenir la forme de base. Et ensuite, je peux tout visser avec cette perceuse. C'est parti. Ouh, ça me plaît. C'est beaucoup plus simple comme ça. Je vais enlever toute cette poussière. Et je vais ajouter du tissu sur le cadre. Ça va me faire mon toit. Ensuite, je vais mettre un tapis par terre. Ça me plaît. Plus qu'à ajouter les touches finales. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Il faut que je change de tenue. Ouh, tout doux et chic. Je sais, je suis jolie. Je vais essayer. Waouh! Oh, salut! Tu aimes bien la manière dont j'ai arrangé l'endroit? Quoi? Comment? C'est trop injuste! Hé! C'est ça que tu as construit? Ce mini truc! Oh, c'est trop mignon! Je n'ai pas besoin de ça. Et c'est l'heure d'utiliser un peu de magie. Ouh, ça me plaît. C'est super confortable. Tiens, Coco, c'est ton nouveau lit. Oh, d'accord. Je m'étais donné beaucoup de mal pour te le faire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux peut-être m'allonger là? Non, dans mes rêves. Même si j'ai un peu d'oreiller comme ça.
Hein? Claire dort! C'est le moment ou jamais! Je ne dois pas faire de bruit! Personne ne doit savoir que je suis là! Oh, elle dort comme un bébé! Et elle a l'air super bien installée! Ah, c'est pas mal! Tiens, Coco, une bonne carotte bien croquante! Tu n'en veux pas? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, salut, Lulu! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim? Oh, c'est trop dommage! Ok, donne-moi juste un instant. Ça devrait être bon. Me revoilà. Oh, quelqu'un m'appelle. Mais non, c'est Miles. Allô? Allez, Coco, c'est bon pour ta santé. Quoi? Arrête, tu es trop drôle. Ce soir, il va falloir que je trouve quelque chose à mettre. J'espère qu'on va aller dans un endroit luxueux. J'imagine que Lulu ne va pas remanger de si tôt. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Attends, ça me donne une idée. Ne bouge pas. Pour commencer, il me faut un gobelet en carton et un feutre noir. Je vais dessiner un lapin dessus. Oh, c'est trop mignon! On dirait Coco! Je vais dessiner les joues au feutre bleu. Et j'ajoute les moustaches. Maintenant, l'autre côté. Ensuite, il me faut un cintre. Et plus de lapins. Je vais les faire pendre au cintre avec des fils. Et j'ai aussi accroché des légumes sur ces fils. Salut, Coco! Quoi? Tu viens avec Lexi? Non! Oh oh, ça n'a pas l'air comestible. J'ai fait brûler le dîner. Désolée, Lulu. Je sais, le lapin est déjà en train de manger. Pas croyable. Ne t'inquiète pas, Lulu. Je vais faire autre chose. Je ne vais pas le faire brûler cette fois. J'espère. Bonjour, quelqu'un a commandé à manger? Quoi? J'imagine que c'est pour vous. Mais comment c'est possible? Bon appétit! J'imagine que c'est meilleur que la cuisine de Claire. Au moins, Coco a l'air heureux. Bon, on va réessayer. Hein? Ça vient d'où, ça? Il n'y a qu'une seule explication possible. C'est toi. Pas besoin de me regarder. Un livreur est passé. Lulu avait un téléphone. Et tu penses que je vais te croire? Comment tu as pu, Hazel? Tu sais que ça brûle, hein? Je vais t'aider. Oh, j'abandonne. On n'a qu'à commander de la pizza. Ça me va! Allez, ma chérie! On n'a pas toute la journée devant nous! Maman a besoin d'une cure de shopping! J'arrive, maman! J'adore te regarder acheter des vêtements! J'ai une carte de crédit à épuiser! Attends un peu! Oh! Regarde le petit chien! Il est si mignon! Maman! Regarde ça! Maman, maman! J'ai trouvé un nouveau jouet! Burke, quelle horreur! Mais, je le veux! C'est pas juste! Je ne peux jamais avoir ce que je veux! Je n'abandonnerai pas ce chiot! Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est incroyable! C'est le plus beau jour de ma vie! Tu es si mignon! Je t'emmène avec moi! Bienvenue dans ta nouvelle maison! J'espère que tu l'aimeras! Nous allons devenir les meilleurs amis du monde! Donc, qu'est-ce que tu aimes manger? Moi, j'aime bien la pizza! Il n'y a rien de meilleur! Ouf, c'est quand la dernière fois que tu t'es brossé les dents? Non, ne m'embrasse pas! Chérie, qu'est-ce qui se passe ici? Mais regarde-moi ce désordre! Il y a des traces de pattes partout! Je peux t'expliquer! C'est inacceptable! Je vais m'occuper de ça! Oh oh, ça ne me dit rien qui vaille! Toi, tu viens avec moi! Voilà, j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Ne me regarde pas comme ça. Toi, tu restes ici, dans cette boîte. Pas à bouger. Bon chien. Qui a besoin d'un chenil hors de prix? Une boîte en carton fait très bien l'affaire. Quoi, elle a fait ça? Tu ne peux pas rester là-dedans. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une idée. Je te le promets. Mais quoi? Oh, je sais. J'ai juste besoin de faire appel à mon imagination. C'est lourd, mais c'est un début. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait me servir? Ces lattes de bois pourraient marcher? Il nous faut de la couleur. Maintenant, je vais visser les planches de bois ensemble. J'ai emprunté la perceuse de maman. Waouh, qu'est-ce que c'est rapide! C'est plutôt amusant d'ailleurs. Ensuite, je dois le décorer. Et j'ai une super idée en tête. Je vais utiliser ce pochoir d'empreintes de pâte. J'ai juste à peindre par-dessus. C'est très facile et tout reste propre. Je le décolle délicatement. C'est si coloré! Je vais faire ça sur tous les murs. Qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt pas mal, hein? Même moi, je suis impressionnée. Mais on a encore beaucoup à faire. D'abord, nous avons besoin de te faire un relooking. Tu as vraiment besoin d'un peu de bling-bling. C'est mieux. Il ne nous manque plus que la musique.
Ouais! On s'éclate! Wouhou! Personne ne va se frotter à nous! Bouge-moi ce corps! C'est parti! Quoi? Naomi, es-tu là-dedans? Coucou maman! Tu étais en train de... Peu importe! Qu'est-ce qui est arrivé à ta chambre? Et c'est mon manteau de fourrure? Donne-moi ça! Je n'y crois pas! Burk, ça sent le chien! Oh, c'est dégoûtant! Tu as vu ça? C'était ton tapis! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pense que j'ai une idée! Une très bonne idée même! Je vais utiliser ce tapis! J'ai besoin de quelques pompons duveteux. Je vais les attacher au tapis, comme ceci. Je vais le faire avec des pompons de couleurs différentes, en alternant les couleurs. Je vais recouvrir entièrement le tapis. Qu'est-ce que c'est doux! Vas-y, essaye-le! Celui-ci est beaucoup mieux. Maintenant, on passe à la partie artistique. J'adore peindre! C'est tellement relaxant! Hein? Qu'est-ce que tu fais? Patience, maman! C'est une pancarte! Je vais la mettre juste là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a quelque chose. Disons que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Je crois que je sais quoi faire. J'ai juste besoin de cette punaise. Et de ma laine. Je vais planter les punaises dans le mur. Je vais utiliser des épingles pour faire les lettres. Maintenant, je dois juste enrouler la laine autour des punaises. Je fais plusieurs boucles autour de chaque punaise. Je m'assure que la laine est bien serrée, comme ceci. J'utilise une laine de couleurs différentes pour chaque lettre. Ça va être très joli. Et la dernière partie... Waouh! Joli travail, maman! Tu en penses quoi? J'adore! Et le chien aussi! Merci, maman! Tu es géniale! Je sais... J'ai tellement sommeil. Il est temps de faire de beaux rêves. Je vais te mettre au lit. Et voilà. C'est quand la dernière fois que tu as pris un bain? Tu pues. Il faut que je lave ça. Quoi? Regardez ça. Il y a un trou dans le pull de Naomi. Une minute. Je pense que je peux arranger ça. Je vais poser le pull sur une surface plane. Maintenant, où sont mon aiguille et mon fil? Je vais commencer à partir du haut de cette manche et coudre jusqu'à l'autre manche de l'autre côté. Je coupe l'excédent de fil. Maintenant, je le retourne. Je fais la même chose sous la manche. Et je traverse à nouveau le pull. Il faut que ça reste bien droit. Je vais couper ça et je vais remplir la manche pour la rembourrer. Je fais la même chose avec la partie centrale. Et l'autre manche. Je replie le poignet à l'intérieur de la manche. Ensuite, je rejoins les manches et je les couds ensemble pour les fixer. Il faut que ce soit bien solide. C'est presque fini. Naomi va être très surprise. C'est un nouveau lit pour le chien. Joli et douillet. J'espère qu'il te plaira. Mon travail ici est terminé. Non, monsieur Licorne, cette sucette n'est pas pour vous. Quoi? C'est quoi ce bruit? Est-ce que tu viens de grimper à une échelle? Oh, tu as soif! Je vais te chercher de l'eau. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Voilà de l'eau bien rafraîchissante. Régale-toi! Et maintenant, je retourne dans mon lit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu as déjà tout bu? Eh bien, tu as été assoiffé. Ne bois pas tout d'un coup, hein. Je ne plaisante pas. Peut-être que maintenant, je vais pouvoir enfin dormir un peu. C'est pas vrai! Ça devient ridicule! Aïe! Ça fait mal! Je vais avoir une bosse. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais chercher de l'eau pour le chien. Il boit tellement que je n'arrive plus à suivre. Effectivement, c'est un problème. Mais je sais comment le résoudre. J'ai un morceau de bois que j'ai peint en vert. Je mets de la colle le long du bord. Puis je colle un autre morceau de bois dessus. Je place le bol d'eau dessus. Ensuite, je vais mettre une bande de mousse adhésive sur la partie verticale. Et je colle la bouteille d'eau dessus. Ensuite, j'enlève le bouchon. L'eau va remplir le bol.
Chaque fois que le chien boira dans le bol, le niveau d'eau remontera. Pas besoin d'en rajouter. C'est plutôt malin, hein? Hein, Naomi? Oh, regardez-la, elle est adorable. Une autre belle journée qui commence. Naomi, réveille-toi. Hé! Que font tous ces jouets étalés par terre? Bonjour, maman. Il y en a tellement. Tu dois nettoyer derrière le chien. De combien de jouets un chien a-t-il besoin? Aïe! Il y a quelque chose qui me fait mal. J'ai même un jouet dans mes cheveux. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut peut-être utiliser cette corde. Où est-ce qu'elle va? Elle est très longue. Je pense que j'arrive au bout. Allez, je pense que ça fera l'affaire. Il faut que j'y aille. Ouf, c'était moins une. Je vais commencer avec ce petit os. Puis le reste. J'ai juste besoin de les attacher à la corde. Ta-da! Fini le désordre. Tout ce dont le chien a besoin est ici. Et pour finir, je vais l'attacher au lit. Naomi, c'est prêt! Allons voir ça! Regarde ça! Waouh! Tout ça, c'est pour toi? Merci, maman! Le soleil ne tape pas beaucoup aujourd'hui. C'est le temps parfait pour bronzer. Mais il ne faut pas oublier de s'hydrater. Eh oui! Ah! Oh non! Tu n'as plus d'eau! Tu en veux? Je suis vraiment un bon papa! Deux copains qui profitent du soleil! Hein? T'as déjà fini? Si tu insistes! Heureusement que j'ai pris une grande bouteille! Ah! Quoi encore? C'est pas possible! Je n'ai que ça! Enfin, je crois! J'ai une super idée! Prends une planche de bois et colle du scotch double face ici. Colle-y une autre planche comme ça. Et retourne le tout. Et maintenant, l'eau! Tu vois ce scratch adhésif? Il va maintenir la bouteille au-dessus du bol. Et voilà! J'ai failli oublier le bouchon. Que l'eau coule! Tu vas adorer ça, mon beau! C'est parfait pour une journée chaude comme celle-là. Ah! De rien! Waouh! Laisse-en un peu pour les poissons! Ou pas! Peu importe! Ne fais pas attention à moi! Je vais pouvoir prendre une bonne douche! Oh! C'est toi! Descends de ces serviettes! Ce n'est pas un lit! Allez, descends! Ce chien pourrait dormir partout. Oh, je ne peux pas m'en servir. Il y a des poils partout. Burk! Quelle journée! J'ai hâte de me coucher. Sérieusement? Mauvais chien, pars d'ici. C'est mon lit. Et il est plein de poils maintenant. Il y en a tellement! Non, pas ce haut. Je vais me changer. Encore? Pourquoi tu fais ça tout le temps? Je ne peux pas t'en vouloir longtemps. Tu es un gentil chien, mais il faut que tu arrêtes de laisser des poils partout. Attends un instant, je crois que j'ai une idée. Ça pourrait marcher. Dépose un vieux pull sur une surface plane et coud un fil dans la largeur de la poitrine. Et tu t'en sors pas trop mal. Coupe le fil restant. Ensuite, prends un coussin et mets-le à l'intérieur du pull. Recoue le pull pour enfermer le coussin. Une fois cette étape finie, ajoute du rembourrage dans l'encolure. Remplis-la bien. Fais pareil dans les manches. Remplis bien sur toute la longueur. Ensuite, dépose de la colle sur le bout des manches. Et colle-les ensemble.
un matelas confortable pour ton chien. Dis donc, c'est incroyable et confortable. Je vais le mettre là. Viens ici, je t'ai fait un coussin douillet. Pas mal, non? Encore quelques coups de pinceau par ici. Oh! Oh non! J'ai mis de la peinture sur la queue d'Armani. Il faut s'en occuper tout de suite. Oui, mademoiselle Betty? Oh mon Dieu! Bien sûr! Viens, Armani! On va prendre son bain! Il y a trop de chihuahua! Bonjour! Nous avons une urgence canine! Armani a de la peinture rose sur la queue! Oh mon Dieu! Comme il est mignon tout plein! Regardez un peu ce museau! Allez, Armani, entre dans cette piscine. Tu vas vite être tout propre. Gentil chien. Oh là là, c'est vraiment pas pratique. Tu as raison. On va essayer avec le tuyau d'arrosage. Ça sera plus efficace. Et voilà, et il n'a pas peur de l'eau. Bon, il est assez mouillé. Maintenant, on va le shampouiner. Et n'oublie pas de masser ses pattes. Très bien, Armani. Tu vas être resplendissant. Et maintenant, on sort les serviettes. On va le sécher et faire briller son poil. Voilà, c'est agréable, hein, Armani? On n'est plus mouillé. Sèche son visage et moi, je vais lui masser les joues. Oui, comme ça. C'est agréable, Armani? Détends-toi et profite du massage. Et maintenant, on s'occupe de sa nuque. Tu dois te sentir tendue avec ce collier. N'oublie pas de brosser aussi l'arrière de ses pattes. On va aussi te limer un peu les ongles. Armani, mon bébé, maman est venue te chercher. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas du tout. Vraiment, je suis désolée. Mon bébé Armani est un prince et je veux qu'on le traite comme il se doit. Oui, mademoiselle. Ah, voilà qui est mieux. Un nœud papillon doré et une couronne. Un vrai petit roi. On y va, Armani. Maman a des choses à faire. Ouf, quelle journée. Hein? Bella a invité un ami? Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Tu ne fais pas les présentations? Pas tout de suite, mon toutou. Alors, on en était où? C'est quoi ce bruit? Je vais essayer de ne pas y faire attention. Mais il me fixe! Descends! Ce n'est pas l'heure de jouer! Je suis désolée. Ne fais pas attention à moi! Il croit vraiment que c'est le bon moment pour faire ça? Ça me dégoûte! Jamais d'avis, je ne reviens là! Je n'ai jamais assisté à un vrai spectacle! Ça commence! Elle est jolie! Elle envoie des notes de fou! Mais ça ne veut pas dire « Oh oh !» N'y pense même pas! Non, s'il te plaît! Tais-toi! Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait, ce chien? Tu gâches tout! Ils vont nous mettre dehors! Ça suffit! Je ne vais jamais pouvoir revenir ici! Qui a dit que faire le ménage était forcément une corvée? Hé, faites attention à vous! J'essaie de faire le ménage par ici. Oh, allez, on veut jouer! S'il te plaît! Pas maintenant, d'accord? Eh, c'est un jouet? Les étagères, maintenant! Hein? Pourquoi est-ce qu'elle fait la poussière ici? Il faut que j'obtienne toute son attention. Regarde-moi! Je veux jouer avec ce truc! Wouhou! Les livres sont trop bizarres! J'adore les chaussettes! Bon, il est temps de passer au niveau supérieur. Je tue ce truc. Et j'ai de la peine, mais j'en récompense. Ce serait dommage qu'elle reste enfermée dans le coussin. Joey? Qu'est-ce que tu as fait au salon? Tu es là-dessous? Ne m'en veux pas! Reviens ici!
Salut! Je peux me faire les griffes sur ce truc? Hey, éloigne-toi de l'aspirateur! Il faut vraiment que je nettoie par terre! Je ne rigole pas, Julie! Non! À croire que ça n'en finit jamais! Allez, va-t'en! Bon sang! Il y a quelque chose qui sent bon par ici! Oh oui! Ce sac est trop sympa! Je l'adore! Il fait un son incroyable! Hé! Hey, je rentre dedans! On se croirait dans un autre monde! Je me suis échappée! Julie? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est pour la poubelle! Non! Qu'est-ce que je fais maintenant? Enfin! Oh! Qui est ce petit chat? Hé, Joey? Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu veux des caresses? Dans tes rêves! Je demandais juste! Incroyable! Ce TikTok est dingue! Hé, pas maintenant! Je suis super occupée! C'est bien! Hé! Comment tu as trouvé ta laisse? J'ai dit pas tout de suite, d'accord? Comment il a fait pour porter sa laisse tout seul? Le pauvre, il doit aller faire ses besoins! En plus, il était énervé maintenant! Je vais m'en occuper! C'était bizarre! Hein? C'est l'heure de se réveiller! Bella, debout! Une nouvelle journée commence! Et tu es ma meilleure amie! Je veux te faire des bisous! Oh! Sérieusement? Arrête ça! Maintenant, je vais devoir prendre une douche! Merci bien! Oh! Je ne peux pas rester énervée longtemps! Enfin! J'avais trop faim! Et cette pizza est faite pour moi! Je sens bien du chorizo! Oh! Ne bouge pas! Mais, et mon repas à moi? Hein? Pas aujourd'hui! Mais tu ne m'aimes pas? Sors d'ici! Alors, où j'en étais? Je te dérange? Je veux juste dîner tranquille! Même si je dois partager ma pizza pour être en paix! Regarde-moi ce soleil! N'essayez même pas d'approcher! Ma maîtresse est à l'intérieur, d'accord? Oh, satané chien! Oui, continuez de marcher! C'est qui, lui? C'est qui ce gars bizarre? C'est chez moi, ici! Ah oui? Je ne crois pas! Tu n'entreras jamais ici, mon gars! Tous ces aboiements me donnent mal à la tête! Je te comprends. Enchantée! Tu veux qu'on passe du temps ensemble? On se voit plus tard, alors. C'est le facteur? Hey, Julie! Hey, Julie! Tu ne m'entends pas de là-bas? Bon, je vais attendre sur le canapé, alors. Ce truc est confortable. Et cette chaise jaune? Ah, des coussins de sol. Elle est toujours au téléphone. Julie, on peut aller se promener bientôt. Dans un instant. Ça veut dire oui? On peut y aller maintenant? Va chercher. Oui, lance-le. Vas-y. Je suis de retour. Hein? Attends. Allez, je vais le lancer plus loin pour gagner une minute de plus de répit. Bon sang! Je l'ai eu! Attends! Rends-moi mon téléphone, Joey! Je suis toujours en ligne avec quelqu'un! Oh là là! J'abandonne! Tiens! D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il a à taper sur le clavier si sérieusement? Ce truc a l'air marrant. Ça te dérange si je fais ça? Attends encore 10 minutes.
D'accord. Il fait bien plus chaud par là. Julie! Je suppose que j'ai fini de travailler. Allez, c'est bon. Wouh! Tes pattes ne sont pas faites pour appuyer sur les touches. C'est l'heure de sortir l'artillerie lourde. Oh, petit chat! Un arc-en-ciel avec tellement de cordes. Ça fonctionne à tous les coups. Sérieusement? On pourrait continuer comme ça longtemps. Allez, il faut y aller. Tu peux t'asseoir à côté de moi. Tu es contente maintenant, Minette? Ah, c'est bon, je ne vais pas te caresser. Elle est vraiment bipolaire. Hein? Bella a invité un ami? Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Tu ne fais pas les présentations? Pas tout de suite, mon toutou. Alors, on en était où? C'est quoi ce bruit? Je vais essayer de ne pas y faire attention. Mais il me fixe! Descends! Ce n'est pas l'heure de jouer! Je suis désolée. Ne fais pas attention à moi! Il croit vraiment que c'est le bon moment pour faire ça? Ça me dégoûte! Jamais de la vie, je ne reviens là! Je n'ai jamais assisté à un vrai spectacle! Ça commence! Elle est jolie! Elle envoie des notes de fou! Mais ça ne veut pas dire... Oh oh! N'y pense même pas! Non, s'il te plaît! Aou! 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 Tais-toi! Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait, ce chien? Tu gâches tout! Ils vont nous mettre dehors! Ça suffit! Je ne vais jamais pouvoir revenir ici! Nous adorons tous nos animaux. C'est donc dommage de ne pas pouvoir les emmener partout avec nous. Mais nous allons te montrer comment faire. De place, s'il vous plaît. Mais vous avez des chiens? Eh bien, ils font partie de la famille. Ils aimeraient voir le film aussi. C'est un film sur les chiens. Mais ils ne peuvent pas entrer ici. Vous ne pouvez pas leur dire non. Regardez-moi bien. Dehors, fichez le camp! Waouh, regardez-moi cette robe! Une seconde. Bon film! C'est qui ça? Avancez! Bon sang! Deux, s'il vous plaît. Je peux danser en entrant? Bien sûr que vous pouvez! Ce travail a aussi ses avantages. Wouhou! Entrez, je vous en prie. Waouh, ces deux-là sont amusants. Ça me rappelle que c'est l'heure de mes squats. C'était trop facile. Sortez, les petits chéris. Comme si on allait vous laisser à la maison. J'espère qu'on aura droit à des friandises pendant le film. Certains ont des chiens. Moi, je préfère les araignées. Une entrée, s'il vous plaît. Je peux garder mon ballon? Oh mon Dieu! Oh! Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Moi? Relax! Voilà mon ticket. Une araignée! Elle va nous manger! Sérieux? Elle est venimeuse? Sortez-la d'ici! Ça va, gentille fille. Les gens sont bizarres. Il a oublié son ballon. Mais oui! Wouhou!
Je suis prête pour le film. Go, film, go! J'aime le cinéma, j'aime les films. J'adore vraiment ça. Et vous? Oh oh! Allez-y, je vous en prie. Vous croyez qu'elle a entendu? C'est très gênant. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Tu peux sortir maintenant. Tu vas adorer le film. Ce livre était génial. J'espère que le film sera aussi bon. Oh non, tu sais que tu ne peux pas venir. À moins que... Voyons voir. Une entrée, s'il vous plaît. On ne s'est pas déjà vu. Cette fille fait beaucoup de sport. Elle a les bras plus gros que les miens. Ok, il y a quand même quelque chose de louche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un chien? Vous me prenez pour un idiot? Fichez-moi le camp! Dehors! Bonne journée! Qu'est-ce que je pourrais bien grignoter? Du chocolat? Des chips? Oh, mais oui! Il me faut juste la bonne taille de récipient. Oh yeah! Bonjour. Oh! Bonjour, monsieur. Pas d'animal à ce que je vois? C'était gênant. Allez, Rufus, tu peux sortir maintenant. Oh, il est trop mignon. Waouh! Oh, ces poussins sont trop beaux. Salut, toi. Tu veux venir à la maison avec moi? On y va. Waouh, c'était rapide. Ce TikTok va faire 1 million de vues. Excusez-moi. Désolé. Qu'est-ce que c'est? Une plume? Et ça? Mon poussin! Oh! Mais pourquoi est-ce qu'on crie? Ouah! C'était pas loin. Oh! Vous n'avez pas envie de danser? Tout le monde, en fait! Ah! Mon poussin! Ma casquette! Retourne à ta place! C'était bizarre. Oh, n'est-il pas trop mignon? Oh, mais oui! Mais c'est bien un animal, c'est ça? Fichez le camp! Bon sang! Regardez ça! À plus! Je suis désolée que vous ayez dû assister à ça. Il faut garder sa peau bien hydratée. Oh! Ce look est absolument splendide! Ouah! Vous ne cachez rien? Bien sûr que non! Ce ticket me semble normal. Je suppose que vous pouvez y aller. Oh! Tu n'as pas trop chaud là-dedans? C'est le moment de voir ton premier film! Tu as faim? Bon appétit! Trop mignon! Oh! Wow! Bonjour! Viens, chérie! Il veut te donner un baiser! Wow! Ça sert drôlement! Mais c'est hyper fashion! Où sont les clés? Vous voulez voir le film? Voici nos billets, monsieur! Étrange moustache! Il y a quelque chose qui cloche avec ces deux-là! Elle est partie! Est-ce que j'hallucine? Et elle n'avait pas de mono-sourcils avant! Chérie, nous avons un petit problème!
Laissez-moi juste vous enlever ça. Je l'ai presque. Vous pouvez faire plus vite. C'était sur moi? Maintenant, hors de ma vue. Allez, allez! Je veux être remboursée. On va lui dire. Des verres en gélatine? Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Très intéressant. On est de retour. Sans verre, je suppose. Ceux-ci sont acceptés, non? Ils sont en gélatine. On peut y aller maintenant? Je pense que c'est bon. Pas de blague, hein? Allez-y! Super! Ouf, ma hanche! On peut? On ne va pas te manger, petit gars. Ça commence! Chut! Mais au fait, c'est l'heure de fermeture! Vous êtes prêts, les amis? On se fait une comédie romantique! On adore tous nos animaux et on ferait n'importe quoi pour eux, même leur aménager leur propre espace. Tu as des animaux? Lesquels? Dis-nous dans les commentaires plus bas. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là.